C'est quoi le principe du jeu? Le principe du jeu, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'on joue Isaac, qui est un ingénieur qui vient aider une station qui ne répond plus. Et en fait, dans cette brave station, il y a des monstres. On est clairement sur un jeu survival un petit peu horreur. Du coup, Isaac, bon, on est à la fin du jeu, hein, mais... Isaac, j'ai localisé la navette d'Amund. Quoi? Et merde, on a un gros problème. Il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche des disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes d'ici, alors il te faut une clé de maintenance. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Ok, du coup, j'ai besoin d'une clé de maintenance. Je viens tout juste d'arriver dans cette nouvelle zone via le métro. On va continuer de looter dans le jeu. Je vais checker mon inventaire parce que honnêtement, j'ai plus aucune idée de ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai pas mal de cutter plasma. J'ai 4 énergies laser, ce qui est coolos. J'ai 4 dents de trancheur, ce qui est maxi coolos. Et de l'énergie PK parce que j'ai encore mon énergie PK là. Oh putain, j'ai encore ce vieux truc pété du futur là. Ok, on va y aller doucement. Donc, on se dirige vers globalement un truc de secte. Ça c'est bizarre, ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Ok, on a un truc de stock. Le jeu me dit, si j'appuie sur mon B, que je peux aller là-bas. Du coup là j'aurai une petite salle. J'ai entendu de la musique ou pas? Ok, ce qui... Attends, eux ils sont morts, mais ils ont des cagoules. Et ils ont pris une balle dans la tête. C'est une exécution, ça. Hein. La vache. Donc, qui dit exécution dit qu'il y a eu... Il y a des humains qui ont fait ça à d'autres humains. Ce qui est bizarre, parce que j'ai l'impression que toute la station, elle est remplie... Elle est remplie de saloperies de monstres. Mais là, il y a un truc qui m'interroge, quand même. On va looter cette salle tranquillement. Ça c'est quoi? C'est des toilettes? Non, c'est un dortoir. On va aller là. Peut-être une mutinerie. Ouais, tu as raison, Triella. C'est peut-être une mutinerie. Donc, j'imagine que ça sera la suite pour plus tard. Il y a une musique. Il y a quelqu'un qui chante une berceuse. Il y a quelqu'un qui chante une putain de berceuse. Vous l'entendez pas, peut-être parce que c'est vraiment très doux. Mais plus je vais me rapprocher, plus on va avoir quelqu'un qui chante une berceuse. Mon stock est pas mal. J'ai deux... truc de vie. Je me pose la question si je me débarrasserai pas de mon méga PK. Putain, c'est terrifiant. L'armure est au niveau max. Je crois pas. Je crois qu'il manque encore un palier. Putain, il y a quelqu'un qui chante. Putain, pourquoi dans les jeux ça fait toujours aussi peur quand quelqu'un chante? En même temps, si je prends pas le méga PK, qu'est-ce que je vais prendre? Je pourrais en fait le stocker, le méga PK, parce que honnêtement, je m'en sers pas tant que ça. Ah non, je sais pourquoi j'avais fait ça. S'il y a des insectes. J'ai pris lesquels là? J'ai pris les là. Non, j'ai pris l'énergie PK. Non, oui, je me souviens. Ok, c'est pas très... C'était pas clair, mais en fait, je me souviens. S'il y a des insectes, c'est toujours bien d'utiliser cette arme. Ok, bah du coup, c'est parti, hein. Grosse ambiance. Ok, là c'est quoi? C'est un bonus ou c'est... Ou... c'est fermé? C'est fermé. Ok, on va y aller coolos, hein. Coolos. Est-ce que je compte faire la DLC sur Cuphead? Oui, je fais une petite pause de Cuphead parce que le dernier live, très honnêtement, il m'a piqué toute ma vie. Du coup, je fais juste une petite pause, mais je vais le faire, ouais.
Ah, j'ai oublié ce message, mais vous savez ce que je vais faire? J'ai de la thune. J'ai de la thune, je vais acheter des points de force pour améliorer mon équipement. Et après, on ira voir la meuf qui chante en espérant que, en fait, ça soit juste une mélomane et qu'elle soit coolos. On va en acheter deux, comme ça me met 3 points de force dans mon inventaire. Je vais en avoir 4 avec celui que j'avais, il me semble. Et du coup, je vais pouvoir améliorer un petit peu mon rig, mes petits trucs comme ça. Je vais pouvoir prendre ce message. Qui me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Unifié vers Dieu? L'unitologie. Nouvel espoir ou arnaque? À moins d'avoir été cryogénisé ces 200 dernières années, vous connaissez sans doute la religion la plus répandue de l'histoire. L'unitologie engrange des sommes colossales, recrute les hommes les plus influents, pèse 78 milliards de dollars en bourse et possède deux des plus grandes institutions terrestres. D'un simple culte de la personnalité, l'unitologie est devenue une religion établie et respectée. Ah la vache, ça tire à balles réelles sur une autre religion que je ne citerai pas pour pas avoir de procès. Mais le truc de test de la personnalité, on sait de quoi vous parlez. Hein. La plupart des gens connaissent les bases du mouvement. Il y a 200 ans, l'anthropologue Michael Altman prétend que le gouvernement terrestre cache la découverte d'un vestige prouvant l'existence d'une vie extraterrestre dans l'univers. Il s'appelle le monolithe. Le gouvernement dément formellement et tente de faire passer Altman pour un original. Pourtant, sa théorie fait rapidement plusieurs adeptes et sa mort mystérieuse va renforcer leur croyance. Selon les unitologues, le monolithe est la clé de la vie éternelle, d'une renaissance vers le paradis, à condition de mourir toutefois. Le gouvernement cacherait le monolithe quelque part, protégeant ses secrets à travers l'espace. Les unitologues louent leur martyr, Altman, et attendent le jour où Dieu viendra leur apporter une nouvelle vie. Ça, on savait pas tout ça. Hein. On savait pas tout ça. Hein. Rien de grave en apparence, mais il existe quelques zones d'ombre, à commencer par la hiérarchie au sein de l'église, dont aucun membre ne parle jamais. Il existe au moins 3 rangs avant de devenir initié. Chaque rang apporte son lot de révélations et de privilèges. Ah oui, clairement. Clairement, ça tire à balles réelles sur une... sur la religion de Tom Cruise, là. Chaque rang a... Pour progresser dans la hiérarchie, un seul moyen, verser d'importantes sommes d'argent à l'église. Au-delà de ce procédé contestable, l'église exige également de récupérer les corps de ses membres après leur mort. Dans quel but? Aucun responsable ne veut répondre à cette question, mais bien des doutes sont permis lorsque l'on pense au concept de transformation et de renaissance véhiculé par l'église. Autre rumeur persistante, l'église financerait un programme de construction spatiale dont certains témoins prétendent avoir vu les résultats. Il s'agirait de vaisseaux funéraires de taille démesurée. Ok. Et ben, on apprend quasiment à la fin du jeu, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Parce que là, vraiment, je savais pas tout ça. Du coup, on va profiter de nos 4 points de force pour améliorer... Mon rig, je peux en améliorer 3 pour avoir plus de vie. Je peux améliorer mon module de stase pour avoir plus d'énergie. Ça peut être cool au sein. Ça c'est cool aussi. Il m'en manque un que je vais placer dans le rig. Et je vais en garder un parce qu'on peut utiliser, souvenez-vous, les points de force pour ouvrir des fois des portes où il y a un maximum de loot. Ok, on se dirige vers la meuf qui chante et on n'a pas du tout peur. On n'a pas du... Qu'est-ce qui se passe? Quelle raison de vivre pouvez-vous trouver quand tout semble si désespéré? Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre? Et laisse-le tranquille, mec. Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin. Non. Du miracle de la foi. Mais la vache dans la tête. Mais. Ça servait à quoi? Prenez-les. Ils sont à vous. Mais. T'es complètement zaza, ma parole. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se transforme? Mais... Putain, mais... C'est pas une Knacky Balls!
T'es pas un apéro entre amis avec ton cure-dent en train de prendre des trucs. Moi, je croyais qu'il allait se transformer après, genre... Ok, c'est dégueu. Du coup, Isaac, il fait plitch, 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 plitch. Ok, du coup, le jeu me dit, je peux aller par ici. Mais je peux aller tout droit aussi, l'entrée de la résidence. Du coup, je vais aller voir parce que je suis un fiefé filou, vous me connaissez, hein. Non, j'ai l'impression que c'est la suite. Ok, on va aller voir d'abord le cadavre qui s'est fait pic-pic la tête. Alors, on va aller voir le Knacky Balls. Hey, Knacky Balls! Coolos, hein. Pas d'ennemis. Ça devient de plus en plus zinzin, cette histoire. Ok, Isaac. Qu'est-ce que vous faites, vous? J'ai pas envie de gâcher mes munitions pour vous, misérable insecte. Pourquoi la musique s'accélère? Ça vient dans mon dos? Non. Ok. Y'a quelqu'un derrière? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas péter la vitre quand même, hein? Ils peuvent pas traverser les vitres. On est d'accord? Tu me regardes juste? Façon sexe. Oh yeah. Et maintenant faut que ça bounce. Eh hey mec! Knacky Balls! On avait oublié l'information comme quoi Isaac était quand même assez compliqué. Tiens! Bouffez-lui là! Laissez-moi tranquille maintenant! Je pourrais revenir en arrière pour tuer l'ennemi. Mais le jeu me dit. Le jeu me dit, va par ici. Il y a un ascenseur, ils sont bien mignons. Mais globalement, je sais ce qu'il y a en bas. Ok, coolos. Coucou, coolos. C'est quand même... J'ai pas envie de paraphraser cette phrase de Jamel Debbouze, mais c'est quand même un petit peu beaucoup trop calme. Lâche-moi, misérable insecte. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Putain mais... C'est le merdier! Ok, c'est cool. On n'a pas perdu beaucoup de vie parce que... c'était les petites trash. C'est plus les gros là qui peuvent me faire mal. Du coup, c'est cool. Pour celles et ceux qui connaissent pas le jeu, si vous cherchez ma barre de vie, c'est ma colonne vertébrale. Du coup, vous pouvez voir que j'ai perdu un peu de vie, mais que globalement, ma colonne vertébrale va très bien. Et encore une fois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, j'ai un pouvoir pour ralentir les ennemis qui s'appelle la stase. Et la barre de stase, c'est le truc semi-circulaire qui est sur l'une de mes... alors là, je suis pas très bon en biologie, mais c'est quoi derrière? Une omoplate? Aucune idée. Aucune idée, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et je suis mauvais. Et je suis mauvais. Mais dites-moi s'il y a des gens qui sont un peu plus formés que... C'est l'homoplate. Ok, coolos. Je suis pas trop passé pour un être stupide. Ok, toi t'es vivant? Ah ouais. Comme je suis coolos dans le jeu, je les tue en fait. Vous pouvez penser que je suis un psychopathe, mais honnêtement... Honnêtement, c'est vraiment la seule chose à faire dans ces cas-là. Hein. Est-ce que vous aimeriez être un humain à moitié dévoré et qui continue de vivre dans la chair d'un vaisseau mutant? Non, je pense pas. Du coup, c'est pas par psychopathie que je le tue, c'est vraiment pour lui rendre service, tu vois. Ok, il n'y avait plus rien dans cette zone, on va pouvoir remonter en haut. Du coup, ça m'inquiète un petit peu parce que c'est quand même coolos, tu vois. J'arrive quand même sur les derniers chapitres du jeu et je sais pas, il y a des grandes salles comme ça, il n'y a pas des ennemis partout, c'est bizarre. Ils devraient popper dans tous les sens, genre me prendre... Monsieur, ah la vache, tu m'as fait peur. Je dois vous parler. C'est qui? Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer, tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Faites vite. Il a rigolé, hein. C'est moi ou il a rigolé? Il a, en plein milieu de sa phrase, il a fait « Ok, il est zinzin, tu vois. » N'oublions pas que derrière cette porte, il y a un ennemi. Et c'est des ennemis qui pètent. Du coup, il m'inquiète un peu.
Il est où? T'es où, mec? Je sais que t'es là. Je sais où tu te caches. Philippe. 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 Mais t'es passé où? Philippe. Philippe. Ta gueule. Salaud. Ok, checker les coins, checker les coins. Ah ok, c'est un zinzin lui. Avec quoi je vais le tuer ce gros zinzin? Au trancheur? Ah, je pourrais le défoncer à grands coups de... Yippee-ki-yay, motherfucker! Non! Ah! Non! Lui, il m'a fait turbo mal, yo! Yippee-ki-yay, on fight! Putain, mais ils sont 1000 milliards, yo! Si j'y vais aux trancheurs, je pourrais peut-être tous les trancher d'un coup. Chérie! Hop là, ça tranche! Eh ouais, mon petit pote! Putain, mais je vais utiliser le tir secondaire. Mais... Mais je gaspille toutes mes munitions pour ce vieux type. Et vas-y, il nique toute ma vie, yo. Bon, ouais, je vais prendre un truc de soin. Ah, merde. Ah non, j'ai pris un petit kit de soin. Je vais en prendre un gros. Je suis comment au niveau santé? Je suis pas ouf, hein. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Je pourrais les rusher, hein. Je vais essayer de les rusher. Rush. Mais meurs, bon sang. Ok. Eh, les ennemis, ils sont plus vénères, là, j'ai l'impression. Je me demande hein, si on va le finir ce soir. Hein. Honnêtement, je vais tout faire pour. Hein. Sinon, je ferai des heures sup. C'est pas grave. Hein. Est-ce que c'était ces bébés, nous demande Terminator? Je sais pas si on peut parler avec les nécromorphes de bébés. C'était quelque chose. Là, à dire que c'est des bébés, je sais pas. Il faut que j'aille par ici, mais ça tombe bien, la porte, elle est fermée. C'est les dortoirs A. Il faut utiliser une clé de maintenance, mais je l'ai. Mais avant de l'utiliser, je vais aller dans cette pièce, qui est un petit peu cachée, quoi. C'est des toilettes. Il se passe jamais rien de grave dans les toilettes. Hein? Il se passe jamais rien de grave. Coolos. Bah. Ah. Ah putain, je me suis fait attaquer par du caca. C'est un dégueulasse. Ah. C'était le pire ennemi du jeu. Ah. Ah Isaac. Isaac. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un ascenseur. Cool. Musique d'ascenseur. Isaac est trop content de se battre contre des méchants. Isaac, c'est lui. Tu vas gagner, tu es trop fort. Isaac. Ok. Bonjour. Bon. Bonjour. J'aime pas bien cette pièce. Ça peut venir de tous les sens. Faut toujours trouver un nouveau chemin, de toute façon c'est toujours moi qui fait le sale boulot dans ce jeu de merde. Ah mais laissez-moi vivre. Ok, de l'énergie PK, excellent. Isaac, on va sauvegarder.
Parce qu'on n'est pas, ouf. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas joué depuis une semaine, mais j'ai l'impression d'être mauvais, ou soit je suis mauvais, soit le jeu est un petit peu compliqué. Elles sont où tes lunettes anti-bleu ? C'est même pas des lunettes anti-bleu, hein, c'est juste des lunettes rouges. Je les ai pas mises aujourd'hui, c'est vrai, très juste. Mais écoutez, comme je suis proche de mes écrans, ma myopie ne s'est pas activée. C'est vrai que je suis plus à l'aise avec, mais je suis relativement proche des écrans, du coup je vous vois pas flou dans le chat, vous inquiétez pas, ça me demande juste un petit peu de concentration des fois, mais je sais pas, j'ai oublié de les mettre. Du coup, c'est un live sans lunettes. Ça va ou quoi? Ah la vache! Lâche-moi, saloperie! Putain, c'est pas propre! C'est pas propre! C'est pas Covid! Lâche-moi avec ton bubon là! Putain, hein, il me consomme des munitions pour Kutchy. Ok. On peut aller à l'entrepôt. Du coup, il y a un truc ici. Mais je croyais que lui, là, les tentacules, c'était les tentacules du Léviathan. Mais le Léviathan, je l'ai balancé dans l'espace. Donc ça veut dire qu'il y a un truc encore plus gros que le Léviathan que j'ai balancé dans l'espace. C'est incroyablement cruel. Ce jeu est incroyablement cruel. J'ai vu dans le... Il y a Chopin qui me demandait mon âge. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans, je suis né en 88. Et du coup, cette année, je file sur mes 34. Ah la vache. Ah la vache. On vieillit. Donc du coup, ici, j'ai un truc à abaisser. Je sais pas ce que ça fait. Ça débloque un truc. Ok, j'ai débloqué le verrouillage. Et je le sens mal quand je vais ouvrir cette porte. Mais bien sûr, j'entends quelqu'un. Eux, ils courent à vitesse éclair. Honnêtement, leur péter les jambes, c'est vraiment une bonne idée, hein. Na 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 na. J'ai pas peur. Pou 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 pou. C'est pas par là? Ah la vache! Ok, c'est pas par là. Je croyais que c'était par là. Ok, on va pouvoir aller dans l'entrepôt. Coulos. Ok, on retourne dans cette salle maudite. Moi, honnêtement, cette salle, je la sens. Je la sens zéro, tu vois. Je la sens vraiment pas bien. On va aller dans le couloir. Fonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Là, ça tombe bien, vous m'avez appris dans le live de la semaine dernière qu'en fait, techniquement, Isaac, c'est un technicien, c'est un ingénieur, quoi. Bah, c'est moi le technicien. Attends, je vais réparer le bordel. T'inquiète. Ok, c'est une zone sans air. Donc, dans les zones sans air, comme on est dans l'espace, on n'entend absolument rien. Ça tombe bien, regardez, il y a des ennemis que j'entends pas. Aïe! Ok, on se calme. On prend. Ok, pas d'inquiétude. Vas-y, toi là. Toi, tu dégages. Ah! Je me fais bouffer la tête! Oh, je me fais bouffer la tête! Ah oh, putain! Ok, je suis mort. J'ai pas beaucoup wipé dans ce jeu, mais là. J'ai pris tarif, hein. J'ai pris tarif. Qu'est-ce que j'ai mal fait? En fait, j'ai ouvert le bid du. J'ai ouvert le bid du gros. Et en fait, quand tu lui ouvres le bide, il lâche mes 1000 milliards d'insectes. Du coup, il aurait fallu que je sois un peu plus malin. Ok, je les stase. Coolos. Normalement, il y en a un autre. Hein. Je sais pas, j'entends rien. On est dans l'espace, du coup on n'entend rien.
Yo, je sais que t'es là, mec, hein. T'es mort? Ok, c'est par où, c'est par où, c'est par où? C'est par là? Ok, il me reste 72 secondes d'oxygène. Dortoir, il y a un autre dortoir, dortoir B. Il y a un truc d'O2 que je vais save pour la suite. J'ai une autre pièce ici, c'est peut-être... Ah, c'est les chiottes! C'est sûr qu'il y a des trucs coolos dans les chiottes! Vas-y, pas d'ennemis, hein. Pas d'ennemis, j'entends rien. La vache! Ok, 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 on a 49 secondes, faut vraiment pas faire les cons! Ok, on va là, on va là, on va là, on check s'il y a pas des ennemis dans nos petites fesses. Ok, il y a toujours pas d'oxygène. C'est le merdier, bon sang. Mais c'est incroyable cette histoire! Mais il est. Mais il était en béton celui-ci! Je vais claquer, je vais claquer, il y a une réserve d'oxygène. Putain, mon asthme! Ok, j'ai peut-être trop pris mon temps, j'ai peut-être trop pris mon temps de ouf. Et lui, j'avais l'impression qu'il était en béton armé. On va peut-être un peu rusher comme c'est une zone de la vache! Ah, mais oui, mais parce qu'ils sont. C'est des spéciaux! Eh, bougez plus! Vous êtes en état d'arrestation, mes petits potes! Ok, ça arrive pas dans mon dos! Ok, ça arrive pas dans mon dos, je vais te défoncer au fusil à pompe! À bout portant, mon petit pote! Ok, on prend les crédits. Oh, continuez notre route. Non! Je lui ai pété la tête, il faut pas que je leur pète la tête parce que ça les rend fous. Ça les rend fous, ça les rend très très colère quand ils se font péter la tête. Du coup, on va pas jouer la carte du loot. On va vite faire la carte de... J'ai pas le temps. J'ai pas le... Mais qu'est-ce que je fous ici, bordel? Attends, mais je suis pas au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit. Mais c'est le merdier. Mais... Ah non, c'est le merdier. Après, 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 après. C'est quoi ça? Objectif atteint. Ok, j'ai atteint un objectif. Non! J'ai plus le temps, j'ai 40 secondes pour sortir de cette affaire! Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. C'était où la zone avec de l'air? C'était où la zone avec de l'air? C'était où la zone avec de l'air? C'était là la zone avec de l'air, y'a personne derrière moi. Ok, quoi, okay, quoi, coolos. Reprends de l'air. Reprends de l'air, petit chaton. Ok. Ok. Bon. Heureusement que tu prends pas les loots. Ouais, j'ai un peu pinaillé, mais vraiment, je peux pas m'en empêcher. Hein. Je peux vraiment pas m'en empêcher de prendre les loots. Je vais y retourner parce qu'il y a vraiment une zone où je suis pas allé. Je suis vraiment pas... Je viens de là-bas. Là-bas, je pouvais y aller. Il y a une zone. Ah, mais d'accord, ça rejoignait. Ok. Ah, bah, je peux relooter. Greedy, greedy, c'est moi le plus greedy. Greedy. Greedy, c'est moi le plus greedy. Même dans l'espace, quand je me fais mordre les fesses, je suis greedy. Je suis greedy, Isaac, Isaac le greedy. Bon, j'en profite, hein, parce que comme il n'y a pas de son, étant donné qu'on est dans l'espace, j'en profite pour faire les musiques. Hein, parce qu'Isaac est un mélomane avant tout. Isaac est un... Ok, Isaac. Isaac. Qu'est-ce que c'est, quoi? Ok, greedy. Ok, greedy boy. Alors, on va sauvegarder. C'est quand même coolos. Après, en même temps, Isaac, greedy. Je joue des personnages qui sont greedy dans tous les jeux. Hein. Si vous étiez là sur A Plague Tale, pareil. Greedy. Amici à la greedy, quoi. je suis comment au niveau munitions? Ouais, j'ai quand même consommé de la munition. Faut que je fasse gaffe. Au niveau du trancheur, je suis quand même coolos. Mon trancheur, c'est mon 3, il faut pas que je me trompe. Ok. Du coup, niveau stage, je suis pas ouf ouf, mais en même temps... C'est parti, hein. En même temps, ils arrêtent pas de me courir dessus. Vraiment pas gentil, pas gentil, quoi. Ah, la vache!
Mais putain, mais pourquoi vous scriptez des choses aussi terrifiantes? Putain, mais c'est juste un script, quoi. C'est juste un script, mec. Calme-toi, c'est juste un script. Tu sais bien que ce genre de jeu, c'est un peu scripté, des fois, pour te faire peur. Tu vois bien que c'est scripté. Arrière! Saloperie! C'était toi qui arrête pas de me faire peur depuis le début? Ah mais putain, mais vous êtes mille! Ok. Ah, des bouffeurs de tête! J'ai pas envie que ça arrive dans mon dos, t'sais. Surtout que, étant donné que je marche sur du truc puant là, que je marche sur du truc puant, je vais moins vite. Mais il faut toujours griller, il faut toujours looter, c'est important. Y a rien là derrière? Eh hey, mais toi! Mais comment t'as fait pour revenir ici? Bah! Mais! Comment t'as fait pour revenir ici? Hein? Mais vous vous souvenez que je l'ai envoyé en bas? Pourquoi t'as bougé? Oh la vache. Si même les cadavres, ils sont plus des cadavres. Ok, on continue notre route. C'était Knacky Balls. Ouais, c'était Knacky Balls. Je vais l'emmener... Attends, je vais l'emmener avec moi. Hein. Ah la vache, c'est un script, Mathieu. Non, non, y a rien qui va. Hein. Y a rien qui va. Knacky Balls, il fait n'importe quoi. Donc Knacky Balls, il va venir avec moi. Allez, viens. Ah, tout ça pour ça, vous êtes en train de vous dire, mais mec, t'es en streaming et tu vas prendre Knacky Balls pour en fait l'amener où, quoi. Mais c'est vrai, pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais je suis presque sûr que le jeu va me la donner. T'as fait n'importe quoi, Knacky Balls. Allez, on y va. Tu sais pas te tenir. Tu vois bien que tu sais pas te tenir. Alors, attends, que j'ouvre la porte. Allez, tu viens. Je t'emmène. Parce que bon. On te met en bas. Tu remontes en haut. Incroyable. Knacky. Knacky balls. Knacky clavy balls. Ah, il y a peut-être un... C'est sûr, il y a un succès. Knacky. Bah. Knacky balls. Mais. Non. Il a disparu. Le jeu a pas voulu que j'emmène Knacky Balls avec moi. Knacky Balls. C'était trop mon pote. Putain, j'ai fait bugger le jeu, je peux plus looter. Je peux même plus looter. C'est incroyable. Je peux sauvegarder au moins. Putain, la magie du jeu, quoi. Vraiment, Knacky Balls, je pense qu'il est revenu là où il était. Hein. Il est revenu là où il était. J'ai combien de points de force? J'en ai 3. Ah, bah tiens. On va améliorer. Hein. Du coup, je peux améliorer mon rig jusqu'à force maximale. Du coup, je suis vachement fort. Je suis vachement baraque maintenant. Eh, faut pas me chercher les noises. Je donne des super patates de forain, moi. Mais attends, il me redit d'aller là alors que là, il y avait un truc que j'avais pas visité. J'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits où je suis pas allé. Ah oui, mais c'était fermé. My bad. My bad. Du coup, je vais descendre en bas. En même temps, on descend pas en haut. Et j'arrive dans cette zone ténébreuse où... Il se passe rien, on est d'accord, hein. C'est coolos. Je pourrais aller faire un petit tour dans le stock. Putain, mais si seulement Knacky Balls était là avec moi, il me dirait quoi faire. Il me dirait quoi faire, Knacky Balls. Il me manque.
Si vous saviez à quel point il me manque. J'ai plein de maxi soins. J'ai les mini soins. Honnêtement, ça sert à rien. Je les vends. À ce stade du jeu, c'est pas utile. Les dents de trancheur, j'en ai trop. L'énergie PK, j'en ai 15. Ouais, je m'en fous. Par contre, je vais acheter de l'énergie plasma. On en a jamais assez. Et j'ai 32 000. Regarde leur tête. Mais j'ai vu, Pat, leur tête. J'ai vu qu'ils sont tous pris une... En fait, qu'ils sont tous pris une balle dans la tête. Hein. Je sais pas s'ils sont pris une balle ou bah, s'il leur arrivait la même chose qu'à Knacky Balls. Donc, c'est-à-dire, ils sont pris un coup de pique à glace dans la tête. Ce qui est peu enviable aussi. Hein. Je me dis que si c'était une balle, elle serait ressortie de l'autre côté. Ouais, elle est pas du tout ressortie de l'autre côté. Donc, du coup, ça doit être un pique à glace. Mais c'est le docteur Zinzin, là. Docteur Zinzin, il fait nimp. Ok, mon inventaire, il est plutôt coolos. On va continuer sur cette lignée. Knacky. Mais t'as un troisième pied, toi. Et tu meurs jamais. Ah non, pas dans mon dos, hein. Eux, ils sont increvables, hein. Les nouveaux ennemis, là. Quoi? Quoi? Qui? Où? Bah t'es où? Mais fais pas peur, mec. T'es genre, fais pas le coq et tout, viens. Viens, on parle et tout. Quel jeu cruel, hein. Quel jeu cruel. C'est pas vrai, ça. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Mais il y a des loots. Mais il y a des loots. Eh, hey, c'est le moment pour une petite douche, Isaac. Écraser les cadavres pour looter un peu plus. Non, je ne le fais plus, ça. Je ne le fais plus. Schéma, tenue niveau 5. Non. Je suis à deux doigts de revenir en arrière pour me prendre ma tenue niveau 5. Les chatons, je suis vraiment à deux doigts de revenir en arrière parce que j'étais vraiment pas loin. Ok. Toi, t'es coolos. Toi, t'es coolos. J'ai la dernière tunique, ce qui va me donner de la sustain de ouf. Et honnêtement, je veux. Je veux, je veux. Ouais, j'avais remarqué, chaton senpai, ils sont ceux qui sont plus sombres, ils sont effectivement plus résistants. Tunique, 5, 60 000 balles. Bon, il va falloir vendre des trucs, hein. Faut qu'on vende des machins. Est-ce qu'on a dans notre coffre? On a de quoi? Énergie laser. Mais oui, mais on vend. On vend un peu de... Un peu de dents trancheurs, coolos. On va vendre... allez, 60 000, je suis presque. Les lames de découpeur, je les utilise plus. Mais voilà. Mais voilà. L'énergie PK, ça va pas me faire assez. Les dents de trancheurs. Hein. Vas-y, histoire d'être large. Coolos. Ok, je vais, je suis en train de niquer mon PEL pour la baraque. En même temps, je sais pas si je vais survivre, donc on nique le PEL, hein, écoute. Et on va prendre... Ah, la vache! C'est la dernière armure du jeu, il me semble. Ce qui, franchement, ça sera pas du luxe, parce que j'ai l'impression qu'ils me mettent des châtaignes. Ils me mettent des patates de four, hein, mon petit pote. Ah, la vache! Ça, c'est de l'armure, Isaac. Ça, c'est de l'armure. Regarde-toi, tu es beau comme un dieu. Tu es beau comme un dieu grec, Isaac. Allez, Isaac. Eh, c'est bon, c'est cool. C'est cool, t'es coolos. J'ai l'impression que je suis de plus en plus lourd. Mais en même temps, vu ce qui m'attaque. Allez, Isaac. Traîne ta grosse carcasse et ton armure faite en tranches de pain de mie. Attends, mais je peux utiliser la clé de la maintenance. Mais c'est pas là où faut que j'aille. Elle est un peu labyrinthique, cette zone.
Je vais suivre ce que me dit le jeu, hein. De toute façon, là, j'ai l'impression que je suis quand même assez OP. J'ai bien amélioré mes armes et tout. Enfin, juste mon cutter plasma, d'ailleurs, en l'occurrence. Chérie, les enfants, je suis rentré. Ok, un message. Les règles du Z-Ball. Ok. Zeratan a fait un sport, quoi. Je ne savais pas. Placez-vous sur la plateforme lumineuse et activez-la. Sautez sur le plus de plateformes possible pour augmenter le multiplicateur. Attrapez ensuite la balle avec votre module PK et visez le panier actif avant la fin du temps. Obtenez une récompense pour... Tu vas me dire qu'il y a un mini-jeu à ce moment-là du... C'est incroyable. Genre, la moitié de la station veut me bouffer les, fesses, mais je vais jouer au The Ball. Ok, on va vraiment faire ça. Entrée zone sans gravité. On va vraiment faire ça. Mais quel intérêt? Il est où le ballon? Il faudrait que j'aille sur cette plateforme parce qu'il y a un truc coolos. Du coup, attends. Non, pourquoi il y a de la musique? Non, laissez-moi, misérable insecte! Allez, on change de position. On est toujours mobile. Changer de position, vite! Recharger. Ah la vache! Ok, changer de position, mobile. Ah, t'es pas mort, toi? Ah, saloperie, tu m'as fouetté les fesses. Ok. Ok, on est pas mal. J'utilise mes munitions un petit peu comme des dragées, comme des dragibus, mais pourquoi pas, tu vois. C'est horrible comme jeu, nous dit Chandrim. C'est un peu horrible, mais ça va, moi j'ai commencé à m'habituer. Tout va bien maintenant, tu vois. J'ai chopé les crédits, ce qui est coolos. Du coup, je peux prendre leur cadavre. Attends, il y en a où? Où c'est qu'il y en a un? Ça, c'est pas un cadavre, c'est juste une... Ok. Carte de la navette. Ça sert à quoi ça? Ah, c'était mon objectif. Ok, mais où est la balle? Moi j'ai envie de jouer maintenant que je suis là. Yo. Parce qu'il me dit retourne en arrière, mais en fait c'est sûr qu'il y a un mini-jeu, tu vois. Je suis sûr que les développeurs ils ont pensé à un mini-jeu qui sert à rien. Moi je veux jouer au The Ball. Au Z-Ball. Je sais pas comment prononcer ça. J'ai envie de dire le Z-Ball, tu vois. Sinon des ennemis. Mais ah, attends, là il y a un cadavre. Viens avec moi copain, tu seras ma balle. Mais voilà, tu seras ma balle. Ah bah tu l'as pas balancé très fort, hein. Mais vas-y, donne une force. Il est nul ton sport. Bah honnêtement, j'aimerais bien jouer à ce mini-jeu, mais je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas de mini-jeu en fait. Hein. Ça se trouve, je trippe près de la porte. Près de la porte, il y a un ballon. Ok, je vais aller dans cette zone. Bah ça manque de balles, ouais. Ouais. Et pourtant, j'essaie de voir un petit peu partout, mais à moins que je sois complètement miro. Il y a deux personnes qui viennent me dire près de la porte. Ok. Bah, j'ai dû louper un truc près de la porte. Donc, je suis près de la porte. Activé! Ah, la vache! Ouais! Qu'est-ce... Faudrait que je relise les règles parce que je sais pas du tout. Vas-y, viens avec moi, mon petit pote! Mais il y a un cadavre... Hein. Ah non! Ah mais... Mon cerveau! Je sais pas trop ce que je dois faire, je m'en souviens plus des règles, très honnêtement. Non, j'ai attrapé un bras! Ah putain, dégage, sale bras! Ok, c'est bon! Je vais le mettre dans le jaune cette fois-ci.
Et tain, je suis à 84 points. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a une fin en fait? Si je me pose comme question. Pour plus de points, il faut space jump. Ah, j'ai encore une minute. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas vu que c'était chronométré. Ok. Et ça, c'est mes points là-haut? Il faut que j'arrive à zéro? Ah non, ça c'est mon temps. Ok. Ça a pas l'air fascinant comme jeu. Hein. Je vais quand même tenir les 25 secondes. Mais... Eh, j'ai loupé mon tir. J'aurais dû mieux lire les règles parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Ok, il me reste 3 secondes. Allez, le dernier point pour la route. Qu'est-ce que je gagne? Ok, je me casse. Vous m'avez gavé. Casier bonus débloqué. Ah! Casier bonus! Du loot! Oui! Du loot! Ok, c'était pas dingue pour le loot. Toi et moi, on avait besoin d'une mise au point. En vrai, hein. Non, en vrai, t'es vraiment pas coolos. J'ai vraiment plus du tout de stase par contre. Ça m'inquiète, mais par contre j'ai plein de recharges de stase, donc c'est parti. C'est la teuf pour Isaac. Ah, j'ai gagné du respect. Ok, j'ai bien besoin de respect dans ce jeu. Parce qu'il galère un petit peu notre cher Isaac. Et donc du coup j'arrive ici. Et je vais pouvoir prendre l'ascenseur. Isaac, tueur de démons, Isaac. On va sauvegarder. On va sauvegarder parce qu'il y a quelqu'un qui parle tout seul là-bas. Je sais pas ce qui lui arrive. Ah, mais laisse-moi, toi! Mais l'élévation, c'est notre destin divin. L'unitologie soit juste. Et la mort n'est qu'un premier pas. Putain, mais lui, il a craqué, quoi. Lui, il a vraiment craqué. Car, voyez-vous, tout cela nous met. T'es vivant, toi? C'est ce que nous avons cherché pendant toutes ces longues années. Ce que nous avons tellement attendu. Ne les écoutez pas. Revenez. Revenez. Vous détournez de l'église en cette instance. Ok, ça passe en boucle. Non, il a craqué, hein. Il a craqué de ouf. Le jeu me dit, va par là. Est-ce que je peux aller par l'endroit où il veut pas? Non, je ne peux pas. Je peux même pas utiliser la carte et tout. Non. Ok, du coup, si j'ai bien compris, ils ont trouvé un monolithe, l'église de l'unitologie, je sais pas quoi. Et c'est un peu à cause d'eux que c'est la merde. Bien joué, les gars. Riche idée, hein. J'essaie de récupérer les informations parce que j'imagine que dans le 2, ça va m'être important, toute cette petite information pour le lore du jeu. Je peux utiliser un point de force pour briser mes chaînes. Et je brise mes chaînes et je vais arriver dans une salle de super loot. Et ça, c'est super coolos, parce que j'adore le loot. Et plein d'énergie plasma, ça c'est top, parce que c'est l'arme que j'utilise le plus. Ça, c'est vraiment top. Par contre, le jeu, il me disait d'aller là, mais en fait, c'est une voie sans issue.
Maintenant, il me dit d'aller là. Genre, tu veux que j'aille me coucher dans la couchette? Faire un gros dodo? Ah non, ça bouge! Ah, d'accord. Je croyais qu'il fallait que je fasse dodo. Ok, je le sens turbo mal. Je le sens vraiment mal parce qu'en fait, le jeu, il est cruel. Et quand je suis occupé à bouger des éléments, il me fait généralement popper des ennemis. Comme un jeu cruel, quoi. Allez, viens par là. Ok, déjà, on va regarder ce qu'il y a derrière. Coolos. Ok, on va se faire un petit chemin. Mais vachement coolos. Allez, viens avec moi, mon pote. Ça va? J'ai trouvé un semi-conducteur rubis. C'est bien parce qu'il me faut encore plus d'argent. Du coup, le jeu me dit va tout droit encore. T'es marrant, mais ok. Si je pousse. Non, je veux lui. Non, je peux pas. Lui, il bouge pas. Il bouge pas. Il y a que qui bouge. Mais est-ce que je vais pouvoir passer si je fais. Genre là, vraiment un tout petit espace. Iskiza qui passe avec son gros boule. Eh ben non, évidemment. Évidemment. Ok, je vois. Ok, je vois. Faut que je m'enferme. Vas-y, réchidé, Isaac. Hein. On va s'enfermer. Coolos. Allez, Isaac, tu vois bien ce qu'il faut faire. C'est ça. Ok. C'est vraiment très bizarre que tu as un compte EA. Oui, j'ai un compte EA parce que dans le 2, il m'a demandé de me connecter. Très drôle. Genre, je me souvenais plus de mon mot de passe parce que c'était il y a turbo longtemps, tu vois. Et du coup, je me connecte aux deux parce que je crois qu'il y a des DLC et tout, tu vois. Et du coup, je récupère mon mot de passe. Trop relou, nanani nanana. Je change mon mot de passe. Je me connecte dans le 2 et il me dit accès impossible. Parce que ça bug. Donc j'ai fait, ah la vache, vous me cassez les couilles, EA. Qu'est-ce qu'elle a cette caisse? Chelou cette caisse. Ok, donc on arrive maintenant dans une nouvelle pièce, avec quelqu'un qui rigole. Ah putain, c'est terrifiant! Il a perdu sa tête. Je crois que dans le... Ah, je suis désolé, mec. C'est vraiment un dégât involontaire. Je crois que dans le 2, c'est plus mis en avant le fait qu'ils sont fous, non? Carte de la navette. Ok. Coolos. Genre, du coup, je sais pas pourquoi t'étais triste, toi. Vous ne vous échapperez nulle part, très cher. Vous m'avez impressionné jusqu'à présent, mais... Maintenant, c'est terminé. Mon œuvre est l'expression de Dieu lui-même. Il est temps de quitter la terre. Mais tu meurs jamais? Mais... Ah, mais c'est un ennemi intuable! Ah, la vache! Non, pas où, je vais de chest! Ah, non! 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 Non, ils sont mille! Je sais pas où aller! C'est incroyablement cruel. C'est incroyablement cruel. Il faut que je refasse tout le même truc, quoi.
Ah putain, c'est lui. Ok, panique pas. Ok, panique pas. Le jeu est juste un connard de troll. Ok. J'ai pris un peu cher, mais c'est pas grave. Ok. C'est cruel. Si tu veux jouer cruel avec moi. Non, ça c'est les chiottes. Comment je pourrais aller dans les chiottes? Oh putain, je me suis enfermé dans les chiottes. Ok. Mais je peux pas, c'est fermé. Bon, comment je fais? Pas de panique. Pourquoi? Éliminer. Réfléchir. Couper les jambes. Fuck, je vais claquer. Pourquoi? C'est fermé. Il veut peut-être que je clear la zone. Non, pas dans mes fesses. Ah putain, quel merdier. Ouais bah super, ouais. Ouais, il prend bien ton temps, meuf. Tout le boulot dans cette putain de station. Très beau travail, monsieur Clark. Très beau travail. Bien. Venez me rejoindre dans la zone de la direction. La porte est ouverte, faites vite. Mais il continue de me suivre, l'autre. Ah la vache. Salut Ziki. Oui, je suis sur Twitch depuis un mois environ. Ok, j'ai pas très bien géré. J'ai un peu paniqué, c'est pas grave. J'ai de la ressource, c'est pas si grave que ça. C'était un peu terrifiant, mais ça va bien se passer. J'ai juste utilisé ma stase vraiment un peu comme des dragibus. Mais sinon, au fond... C'est juste que j'ai pensé que je pouvais rusher. En fait, ma première idée, c'était de rusher la porte. Corne cul. Oh putain, pas eux. Ah non. Il bouffe la tête. Il est où l'autre? Il est où? Il s'est endormi? Mais... Tu t'es endormi? On devient tous fous dans ce vaisseau. Ok, j'ai récupéré un truc de stase. Hey, ça me va bien parce qu'en fait, j'ai plus vraiment de stase. Mais c'était sûr que dans cette zone où il y avait plein de cadavres, il y allait avoir des réanimateurs. Les réanimateurs, c'est ceux qui utilisent les cadavres pour faire des gros ennemis. Là. Ok, du coup, pourquoi il me dit de... Attends, mais c'est d'où je viens? Ah non, je viens de par là. Ok. Mon inventaire, je suis comment? Eh, je suis vachement coolos. Je vais vendre des trucs, je vais racheter du cutter plasma. Et honnêtement, j'ai pas du tout peur. Tout va bien. Vendre 10 000 balles, je suis super riche. Je vais acheter des cutter plasma.
Ok, j'ai le roi du pétrole, c'est bon, il peut plus rien m'arriver. Et on... ça sent qu'on arrive vers la fin du jeu, parce que honnêtement, pendant tout le milieu du jeu, je faisais un peu le kekos en disant, bah ça va, c'est facile, tu vois. Là, je commence un peu à tirer la gueule, hein, très honnêtement. J'ai plus de points de force. Je pourrais descendre en bas pour en acheter. Je vais en acheter au moins pour en avoir un si je tombe sur une pièce qui doit se débloquer avec un point de force. C'est toujours coolos d'avoir ces petites pièces. Ah, tu comptes les... Oh la vache, Stanor. Bien joué, bien vu. C'est vrai que c'est un toc de langage que j'ai, les... Oh la vache. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, acheter un point de force. Ah la vache. Mais du coup, 19 du coup. J'ai juste un point de force, ce qui est cool. Règle numéro 2, double dose pour être bien sûr que la bébête est morte. Ouais, 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 c'est vrai. Ah putain, du coup, en plus, on va vers l'endroit où la meuf, elle chante, quoi. Du coup, vous pensez que c'est ma meuf? C'est ma meuf ou pas? Infidèle! Infidèle! Niveau munitions, on est pas mal, hein. On est pas mal. Je vais rester au cutter plasma parce que de toute façon, il est amélioré au max, quasiment. Point de force. Ah non, je vais pas l'utiliser, je vais le garder dans mon inventaire parce que des fois, il faut utiliser un point de force pour débloquer une porte qui demande un point de force. Et à l'intérieur, généralement, il y a masse ressources. Du coup, je trouve ça beaucoup plus utile d'avoir toujours, au moins sur soi, un point de force pour faire ça. C'est pas lui qui chante. C'est une meuf qui chante, ça peut pas être toi. Vous voilà. Dieu merci, vous voilà. J'ai suivi votre progression. Je sais que vous voulez réparer la navette de fonction et quitter cet endroit. Mais... je vais tout faire péter, mon pote. Hein. On répare rien du tout, on fait tout péter. L'accélérateur lumière est complètement détruit. Mais... non, 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 non. Gardez espoir. Gardez espoir. J'ai littéralement rien dit. Au début, je l'avais perdu. J'ai saboté le vaisseau, saboté les systèmes. Mais, Amelia, a tout changé. L'église! Il croit que le monolithe est divin, mais il ne voit pas le danger. Hey, tu descends. Tu descends tout de suite. Regardez ça. Redescends, mec. Pourquoi tu montes tes vieilles vidéos de King, ce chelou, là? Je m'en fous de tes trucs avec des tentacules japonais, là. C'est bizarre de me filer ça. C'est la source. Elle contrôle les nécromorphes par télépathie. Quelle bande d'idiots! Mais Amelia... faut que je tue la reine mère? Comment faire pour les arrêter? Le monolithe doit être remis à sa place. Le monolithe retenait ses forces au cœur de la planète. Le monolithe, c'est la reine mère. Pardonne-moi, Amelia. Je suis le seul responsable de ce qui s'est passé dans ce vaisseau. Alors, je vais essayer à tout prix de mettre un terme à tout ça. Pour réparer mes fautes. Vous pouvez m'aider. Non, c'est toi, aide-moi, mec. Si vous réparez la navette et ramenez le monolithe à bord, on peut arrêter ça. À jamais. Donc je répare la navette, je prends un monolithe qui doit peser une tonne, je le ramène sur la planète, je l'enferme avec la reine mère qui fait la taille d'un building de New York. Moi tout seul, Isaac, avec mon armure en pain de mie. C'est ça ton plan glorieux, mec? Mec! On est marre de tous ces types qui me demandent des services. Et c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et puis vas-y, Isaac, va conduire une navette. Isaac, va t'occuper d'un insecte qui fait la taille de Broadway. Putain, mais bordel, il porte sa foutre. Heureusement qu'il y a les musiques d'ascenseur. Musique d'ascenseur, Isaac, t'es cool. Musique d'ascenseur, tu vas survivre, Isaac. Isaac, Isaac, tu vas survivre, Isaac, Isaac. Et les affiches de propagande maintenant? En vrai, on dirait. C'est un vaisseau soviétique ou quoi? C'est quoi ces regards vers l'infini, tu sais? C'est. Petit père des peuples.
C'est pas comme ça les photos militaires d'habitude. Bah si, à une autre époque, mais... Isaac devrait demander une augmentation, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Laissez-moi. Tu peux pas passer les portes. Tu peux pas passer les portes, je le sais. Ah mais vous êtes combien? Ah non! Il a fait popper les insectes! Eh ouais, j'ai une information que vous avez pas. Vous pouvez pas passer les portes. Vous le voyez bien quand même que vous pouvez pas passer les portes. Allez, explique-toi mon pote hein. Ah merde, je t'ai explosé la tête. Non 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 non, pas les insectes. Attends, mais les types qui rushent dans cette pièce avec ces trois, ces quatre ennemis. Ah ouais, avec la stase, ça peut passer si tu les regroupes. Bah j'ai préféré faire un bug exploit, hein. Ils peuvent pas passer les portes. Ah la vache, arrêtez de faire des trucs cringeos. Ça aurait été beaucoup plus complexe dedans. Après, je pense que, tu vois, je cours. Parce qu'au final, ils sont assez lents, eux. Je cours en cercle, je les regroupe, je les stase. Ce serait peut-être passé, mais c'était dangereux. Hein, parce que si je tire au mauvais endroit, il libère une nuée d'insectes. Vraiment, c'est pas l'idée, quoi. C'est vraiment pas l'idée. Pourquoi je peux pas utiliser... Ah si, je peux utiliser mon bidule. Bah écoutez, je vais d'abord visiter. Je vais visiter. Il y a sûrement des trucs coolos. Eh, mais on est chez les quartiers de la direction, là. Arrête, hein, de bugger. J'ai l'impression que c'est des monstres. Mais attends, mais trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une transmission? Ben Matthews, capitaine. Je n'irai pas par quatre chemins. Ce message doit vous servir pour comprendre certaines de mes décisions. Je suis un unitologue. En fait, vous n'ignorez sans doute pas que nous ne sommes pas censés être ici. Pour la compagnie, c'est juste une mission illégale de plus, avant qu'il ne découvre le monolithe. C'est lui qui a attiré l'église. Avec moi en tête du pèlerinage. Selon l'église, la plupart des passagers étaient fidèles. Mes instructions étaient de rapatrier le monolithe en sécurité à bord du vaisseau. Terence Kine, un scientifique, connaissait le monolithe d'origine et avait pour mission de déchiffrer celui d'ici. Il m'a dit être sur la bonne voie. J'ai décidé de mettre la colonie en quarantaine. Il y a une sorte d'épidémie là-dessous et pas question que ça atteigne le vaisseau. Pas bah. Avec un trésor pareil. Nous sommes si près du but. Bah. Le démantèlement a lieu demain. Nous continuons de déchiffrer le monolithe. Une fois revenu chez nous, nous donnerons nos travaux. Et le monolithe à l'église. Le gouvernement ne nous couvrira pas cette fois-ci. Gloire au grand Altman. Ok, là on est dans la chambre de quelqu'un qui globalement... Il a des nudes et tout, tu vois. Je peux pas prendre le nude. Ah si, c'est bon, j'ai le nude. C'est bon, il peut plus rien m'arriver. Allez, viens avec moi le nude. Je vais te balancer sur un ennemi. C'est le vrai merdier ici. C'est le vrai merdier. Est-ce que le son du jeu est pas un peu bas? Une question que je vous pose, parce que j'avais l'impression sur mes capteurs qu'il était un peu bas. Dites-moi dans le chat. Ah la vache! En fait, quand ça tire, le son il pique très haut. Mais des fois, pour les dialogues et tout, j'ai l'impression qu'il est un peu bas. Dites-moi, hein, parce que en fait, quand je vais le remonter, du coup, ça veut dire que quand je vais tirer, ça va faire un bordel monstre. Ça va faire un bordel monstre. Donc, je veux bien le remonter un peu. Je vais couper la poire en deux, mais il est difficile à...
à mixer ce jeu parce que autant des fois, bah, je l'ai remonté un tout petit peu, donc faites gaffe. En fait, quand je vais tirer ou quand il va avoir des monstres qui vont gueuler, il y a peut-être moyen que ça gueule un peu. Donc commencez à baisser le son déjà de base. Baisser le son, je vais tirer pour vous montrer à quel point ça va faire du bruit. Je vais juste tirer une fois. Vous voyez, ça monte haut. Hein. Ça monte haut quand je tire. C'est nickel. Ok, même avec le tir. Parce que le tir il pique le tir il pique dans le jaune quoi. Ok. Du coup mon nude, moi j'y tiens. Hein. Je sais pas qui est cette brave meuf, mais elle va m'aider à sauver le monde. Allez viens. On va te balancer sur un nécromorphe. À moins que le jeu veuille pas. Et que comme pour Knacky Balls, tu disparaisses. J'espère pas. Hein. Après, c'est peut-être pas un nude, c'est peut-être juste une photo qu'il a pris dans un magazine, tu vois. Il est peut-être chelou, hein. Il est peut-être chelou, ce... Je sais pas qui c'est la direction. Là, je viens juste d'apprendre que la direction, elle était complètement corrompue. Elle était corrompue à la religion. Il est où? Mon nude! Non! Putain, le jeu... Le jeu me fait disparaître les éléments quand je les reprends avec moi. Non! Ah, ça va mal se passer du coup. Ça va mal se passer pour moi. J'ai plus mon nude. Ah putain, je déteste les pièces comme ça. Bon. Une pièce aussi grande. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? On se demande. Quoi? Ok, du coup, c'est quoi ma quête? J'ai un... Ah, faut que je répare la navette, que je prenne le monolithe. Mais oui, tu veux que j'aille dans la navette, évidemment. Mais une fois que la navette, je vais activer un truc, il va avoir des ennemis. Mais jusqu'à Oblivion. C'est sûr. Essaye pas de genre... Donc, carte navette requise, ok. On va looter d'abord toute la pièce. On va se faire un stock de munitions coolos. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr, tu le vois venir. Regarde cette pièce comme elle est énorme. Mais on va avoir des ennemis. Mais par-dessus le slip. Hein. Par-dessus le slip, bon sang. Ok. Il y a plein de vie. C'est vraiment très très bizarre. Hein, hein. T'arrives dans une pièce et qu'on file plein de vie. Et plein de ressources. Hein? Hein, le jeu? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ok, on va aller dans la navette. Déjà, elle est fancy. Elle est fancy de ouf. La carte de la navette, j'utilise. Ok. Excellent, excellent. Attendez-moi, je suis en route. La 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 da da tam tam da 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 tam 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 da 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 da. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est celui qui est invincible ou pas? Parce que si c'est le cas, je sais comment le tuer maintenant. C'est toi qui est invincible, hein? Saloperie. Ah, lâche!
Mais putain, mais vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui! Ok, on recharge. On visualise, on recharge. Ok, lui c'est celui qui est immortel. Mais t'inquiète mon pote. Toi, mais tu me gâtes le cul toi. Ok. Il est immortel, mais il va voir. Il va voir le petit chaton. Je vais te staser mon petit pote. Mais toi, arrête de me courir après. T'es super relou. Ok. Alors j'espère que ça va passer, sinon il va falloir que je lui découpe les pieds. Je sais pas si ça va passer. Cours, je m'en prie. Essai des moteurs de la navette. Meurs. Pour idiot communiste. Oh la vache. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça, hein. J'ai un peu hurlé, mais au final, c'était juste des hurlements de joie. De joie et de bonheur. Ça marche. Oui. Je suis enfermé. Nous pouvons encore y arriver. Je suis enfermé. Nous devons détacher la navette pour décoller. Le point de contrôle, vite. Il va falloir que vous disiez la procédure de départ pendant que j'allume les moteurs. Et nous ne ferons plus qu'un. Allez. Et nous ne ferons plus qu'un. Non. Ah, t'as me dragué, mec. Chelou. Tu peux ouvrir du coup ou pas? Je peux te rejoindre? Non, tu veux pas. Attache désactivée. Ok. Tu m'attends ou pas, mec? Bah. Eh, hey, mec. Blocage navette désactivé. Bon bah il s'est barré hein. Je me dirige vers le pont. Allez-y, nous pourrons charger le monolithe. Oui, Amelia. Oui, on rentre bientôt. Bon, il est un petit peu zinzin, je suis d'accord. Mais en même temps... Je ne sais pas si ce Kane est cinglé ou non, mais on a besoin de cette navette. C'est comme si tu le croyais. Pour l'instant. Oui, il est un petit peu zinzin, mais honnêtement, on va pas faire la fine bouche, parce qu'il reste peu d'humains sur cette station. Et honnêtement, si on a le bas du panier, c'est pas très grave, tu vois. C'est toujours un humain standard. C'est acceptable. Ah, un point de force, yo. Ça, c'est cool. Bon, ce que je perds le plus en ce moment, c'est de la stase, mine de rien. Je crois que dans mes prochains points de talent, je vais mettre de la stase, parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus vital pour moi d'avoir de la stase, parce qu'il me court vraiment dessus. Hein. Il me court vraiment dessus, on dirait des affolés pour un Black Friday, et moi je suis un écran plasma, tu vois. Allez Isaac, l'écran plasma, ça va bien se passer. Vas-y, t'emportes le mobilier avec toi. Le type, il a aucun respect pour la physique du jeu. Votre heure est venue. Aucune raison d'avoir peur. Aucune raison de combattre. Beaucoup nous ont déjà quittés. Et l'heure a sonné pour nous d'embarquer vers l'infini, vers l'immortel. Et l'au-delà. Et de laisser le destin faire son œuvre. Rejoignez-moi et revêtez l'apparence de Dieu. Mais... Ah, il s'est sacrifié. Il s'est fait bouffer par une Raymanta. Ah, il va être super fort. Il va être super fort. Je vais au bon endroit, hein. Du coup, c'est lui le boss. Ok, bah, si c'est toi le boss. J'arrive et je suis pas content. Je m'appelle Isaac, nom de Dieu. Ok. Le jeu me dit que tu vas au bon endroit. Et la meuf qui chantait, on l'a pas... On sait même pas qui c'est, quoi. Tu peux pas traverser les portes, je le sais. Essaye pas de faire style. Ah, c'est une Raymanta.
Il a voulu te transformer. D'ailleurs, il avait commencé la transformation. Mais il est pas allé jusqu'au bout. Et ça, c'est excellent. Ah, il y aura la musique. Il y a des trucs, ça me chuchote dans l'oreille, c'est absolument horrible. J'ai énormément de stase, hein. Honnêtement, je vais en prendre un. Hein. Je vais sauvegarder. Comme un type qui est vachement courageux. Oh, courageux, mais pas téméraire. Hein. J'ai 2 points de force. De la stase, on augmente la durée. On garde un point de force pour les portes. Et on va voir le boss qui arrive. C'est pas par là. C'est pas par là. Faut descendre. Ok. Ok, tout va bien. Allez Isaac. Cheer up. Merci Monsieur Rose pour le sub. Merci beaucoup. Du coup, il me dit d'aller où? Faut que je... Ça vient des ventilations. Non? Ok. On a un inventaire qui est assez plein. On va quand même gérer un petit peu nos trucs parce que je sais pas ce qui nous attend. J'ai beaucoup de munitions dont je ne me sers pas qu'on va stocker. On va vendre les semi-conducteurs en or parce que ça ne sert strictement à rien à part être vendu. On a 3 stases sur nous, on va peut-être en déplacer une. Énergie plasma, on est à 14, c'est pas dingue dingue. Énergie laser, honnêtement, le tir met tellement longtemps à charger que j'en utilise pas tant que ça. Hein. Les dents de trancheur, ok. Cutter plasma, ok. Et on va acheter plein d'énergie. Oh oui, 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 plasma. Et on va se diriger vers cette petite berceuse qui est pas du tout flippante. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il y a une berceuse qui est flippante, nous on se dit... Ah ben non, j'arrive au... Attends, j'arrive au métro. Oh bah merde, je voulais savoir où était cette berceuse flippante, moi. Parce que si je vais au métro, en fait, je change de zone. Mais en fait, ça se trouve, c'est juste le... Après, ça se trouve, c'est juste le truc du jeu et je peux pas savoir qui c'est qui chante. Ouais, je peux pas savoir, hein, je crois que c'est ça. Moi, je voulais aller la voir, lui demander, lui dire ce que j'en pensais, tu vois. Oh, j'aime bien ta voix et tout. Oh bah non. On l'entend plus. Dites-moi pour ceux qui ont fait le jeu si on pouvait la rencontrer, cette brave femme. Mais j'ai l'impression que non. Bah non. Tu voulais son 06? Je sais pas, Stanor. Je crois que c'est pas le meilleur endroit pour demander un hume. Ou aller boire un café, tu vois. Parce que y a, si c'est que ça, il y a un étage où il y avait une cafétéria. Hein. Tu sais, tu peux l'inviter à manger et tout. Tu sais, boire un petit caf. Mais je sais pas. En plus, Isaac, je crois qu'il a une copine dans la station. Celle qui arrête pas de lui envoyer des messages. Elle veut qu'il fasse plus qu'un. À chaque fois, elle lui dit ça. Du coup, c'est bizarre, mais pourquoi pas, tu vois. C'est elle... Tu lui as manqué, quoi. Tu lui as manqué. Ok, on sauvegarde. On est au chapitre... On vient de finir le 10. On arrive au 11. Dernier espoir. Ça s'appelle Dernier espoir. Honnêtement, ça sent la fin du jeu dans pas longtemps. Ne spoilez pas. Encore 2 chapitres. Ah, d'accord. Ouh là là. Je m'approche du hangar des vaisseaux. Il faut atteindre la zone de chargement. Le monolithe, il est stocké là-bas. Vous allez voir un élévateur qui vous permettra de déplacer le monolithe vers le hangar. Pitié, vous devez m'aider à le faire. C'est le seul moyen. En même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Depuis le début du jeu, on me laisse pas le choix. Mais l'attaque !
J'étais en train de parler et du coup, en plus, je lui ai vraiment tiré dans son truc qui pète et ça a pas pété. Du coup, c'était vraiment un script. Hein. C'était vraiment un script. Ok, faut que j'aille tout droit. On va aller dans les toilettes. Parce qu'il se passe jamais rien de grave. No God, no fear. Ok. Il se passe jamais rien dans les toilettes. Il se passe jamais rien dans les toilettes. C'est coolos, coolos. J'ai un aspirateur. C'est coolos, coolos. Ok, tout va bien. Du coup, le jeu m'a dit d'aller à droite. Il y a du bruit chelou. Il y a des bruits chelous. Qu'est-ce que c'est que ces bruits chelous? Je suis en quel mode de tir? Ouais, je vais prendre ce mode de tir. Parce que quoi? Qui me crie dessus? Ah bah tiens. Putain, j'ai pas de fusil de sniper, quoi. Je l'aurais bien snipé les fesses à celui-ci. C'est un quoi? C'est un gros qui balance des insectes, ça. Ok. On va descendre. Et est-ce que j'ai un comité d'accueil en bas? C'est vraiment la grande question. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui crie un petit peu. Ok, coolos, comité d'accueil. Isaac, regarde là. On a un petit comité ici. On a encore une grande salle. Vous savez comme j'aime les grandes salles parce que ça veut dire que les ennemis pop dans tous les sens. Du coup, lui, on va le sniper. Allez, mon petit pote. Grosse AWP dans ta tête. Petite affiche de propagande encore, toujours tout ça. These tips could save your life. Alors, je pense pas qu'il soit très adapté au fait qu'on est en train de vivre un cauchemar. On va piller, hein. On va piller allègrement. Il y a des bruits de scriptage de partout. Du coup, faut pas que je me fasse avoir. Lui, je vais lui péter une jambe parce qu'il fait vraiment trop le show. Ah, bordel! Il a lâché les petits bébés! Je vais les rusher. Un grand coup de fusil à pompe. Ils aiment pas les fusils à pompe ceux-ci. Hein. Quand t'arrives à les avoir au cac, ils font vraiment moins les chauds. Du coup, des fois, je me dis que c'est plus économe plutôt qu'essayer de toucher leurs tentacules que de les choper au corps à corps. Et puis leur balancer un grand coup de fusil à pompe. Mais après, comme c'est des saloperies qui marchent sur les murs, c'est toujours un peu compliqué de les choper au corps à corps. Le jeu me dit, va là-bas. Ok. Ce qui est bizarre pour cette zone, la dame qui chante au loin est un clin d'œil au film d'animation Dead Space qui se passe un peu avant le jeu, nous dit Kuro. D'accord. Mais tout à l'heure, dans le chat, quelqu'un disait si le lore t'intéresse et que tu le trouves un peu bizarre, il faut t'intéresser au film d'animation qui se passe avant. Et effectivement, moi, je connais pas du tout le lore. C'est la première fois que je fais Dead Space de ma vie. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... Je comprends pas tout. Mais là, je sais pas. J'arrive à la fin du jeu, c'est un peu plus clair. Mais c'est vrai qu'au milieu du jeu, j'étais là. Mais d'où ils viennent, ces saloperies de Necromorph? Mais j'ai encore... L'interrogation de savoir si c'est des humains qui ont muté ou si on les fait muter ou... Je sais pas ça encore. Je sais pas, peut-être que je vais l'apprendre un petit peu après. Je sais pas, je me dis que vu qu'ils sont zinzin et tout, qu'ils arrêtent pas de parler de renaissance, nanani nanana, je suis presque sûr qu'ils les font muter. Ils les font muter. Du coup, récupérer la charge. Donc j'imagine que c'est le monolithe et j'imagine que... Il va y avoir des ennemis jusqu'à Oblivion. Alors, je suis full stase. Et je le sens mal. Allez, c'est parti, on n'a pas le temps d'y essayer. Ok, c'est ça le monolithe. Ouais, pas mal, hein.
Liaison du chargement 782. Module macro PK requis pour transport supplémentaire. Poigna. Ok, on va aller dans la zone centrale pour les venir. Ah non, pas toi! Ok, courir, courir, repositionner. Vérifier. Mais laissez-moi! Misérable insecte! Ok, repositionner, angle. Ok. Ok, désolé pour... Ouais, ça gueule hein, dans ce jeu. Ça gueule beaucoup. Hein. En même temps, c'est un jeu d'horreur. Faire péter, toi, tu vas voir. Ok, j'ai pris un peu de dégâts, mais ça va. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que... de ce que je viens de comprendre, c'est que la tentacule... La tentacule, elle est vénère. Et je crois qu'elle pop quand... Je vais dans une zone où elle peut me grab. Non, c'est ça? Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. La 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 la. Évidemment. Ok, y a rien ici. Koulos, Koulos. On fait poupée. Eh, tu courras pas le marathon cette année, mon petit pote. Ok, ils sont 1000 milliards là-bas. Ok. Et on est pas mal. On est pas mal. Et regarde mon petit pote, t'as plus de jambes. On va looter, on va looter, on va faire un point munitions. Point munitions, c'est excellent. On va utiliser un mini kit de soins. On a 1000 milliards de dents de trancheurs. On va peut-être jouer au trancheur du coup. Allez, on continue d'avancer. Ça va? Ok, 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 ok. Évidemment! Ok, repositionner, repositionner. Non! Ok, changer d'arme. Ok, vérifier. Ok, elle était toute seule, quoi. Non, 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 non! Mais c'est pas possible! Attends, c'est à l'infini ou pas? Sinon, je vais lui balancer un gros truc de laser dans sa tête, puis voilà. Alors toi, mon petit pote. Non, c'est à l'infini, en fait. Faut juste que je me fâche pas choper. Ok, très bien. Non! Non, pas mes fesses! Pas mes fesses! Pas mes fesses! Pas mes super fesses! Et si je passais de l'autre côté, l'endroit où elle peut pas m'atteindre pour faire passer la plateforme... Ah non, putain, elle change d'endroit et elle me suit! Oh la vache! C'est le Japon, c'est le Japon, c'est le Japon! Allez, 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 on bouge, 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 on bouge. Oui, bah oui, évidemment! Non, c'est pas à l'infini, vous me dites? Ah la vache! Reste au milieu pour la niquer, parce que sinon... Ah, je fais rip-hop le script. Ah. Ok, je fais rip-hop le script comme un boloss, quoi. Ok, je l'ai décapité. Non. Non. Ok, tout va bien. Je sais pas si on peut faire, si on peut décapiter une tentacule, mais en tout cas je l'ai décapité. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le monolithe.
Bon, j'ai pris un peu cher, mais en même temps, j'avais pas compris cette histoire de faire hip-hop, le, de reboot le script. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je vais bien. Je vais... Le chargeur est arrivé. Le monolithe est dans le hangar. Vous pouvez la placer dans la montagne. Eh merde. Ok, c'est bon, j'ai vu. Eh bah toi, t'auras pas de chocolat à Noël. Non, pas dans le dos. C'est vraiment pas cool. Oh là là là, la visée sur 20 quoi. Ok, lui il est fatou, du coup il va aller lentement. Hop, tu croches pas, mon petit pote. Ah non, je l'ai fait péter. Oh, faut que je les rush. Non. Ok. Eh, on s'en est bien sorti ou quoi? Ah putain, j'ai pris cher. Hein. J'ai pris cher ma colonne vertébrale. Ah, très mal. Un petit peu de heal des familles. Je crois qu'un deuxième, franchement, ça serait pas du luxe. Et du coup, je dois aller... Du coup, le monolithe est prêt à être chargé dans le vaisseau. Du coup, je vais retrouver mon collègue qui est quand même relativement zinzin, mais qui conduit le vaisseau, du coup. C'est scripté, t'inquiète pas. Allons le retrouver. Oh, qui? Quoi? Encore toi? Mais... Mais t'as combien de tentacules? Honnêtement, je me pose la question, les chatons. Est-ce que ça sert à quelque chose que je gaspille des munitions pour un truc qui revient à l'infini? Je vais l'esquiver, non? Surtout que je vais juste prendre l'ascenseur et tout. Je pourrais lui balancer un gros coup d'énergie dans la tête, mais... Doctraz, tu me dis non? Quelqu'un d'autre me dit Rocher? Ah, on est d'accord sur un désaccord? Rush B? Ok. Ok, je rush B. Ah la vache! Ok. Un bon rush B. Bah ouais, c'est ce que je me disais, que ça servait à rien de gaspiller des munitions. Ça, globalement, ça allait revenir à l'infini, quoi. Du coup, on est pas mal. Je vais recharger mon cutter plasma. Je vais vérifier combien j'ai de munitions parce que j'ai dû en bouffer. Et ben, ah la va, ah. J'ai les 12 qu'il y a dedans et c'est tout. Ah bah. Faudrait que je joue au trancheur avant de... Je vais jouer au trancheur, même s'il est moins capé que mes autres armes. Si ça se trouve, ces aliens sont pleins d'amour. Et cela, c'est un problème de communication selon toi? Peut-être. Après, ils m'ont pas énormément prouvé leur amour. Tu vois, si c'est de l'amour, c'est... C'est pas de l'amour le plus cool du monde. Je vais charger. Charger, qu'est-ce que je raconte? Je vais sauvegarder. Ok. J'ai remis l'ascenseur en état de marche. Monte-le jusqu'au hangar et embarque le monolithe dans la navette. Je vais me rendre au point de lancement. Mon Dieu, j'espère y arriver entière. Dieu nous garde. Est-ce qu'on n'est pas dans cette merde à cause justement de types qui ont des problèmes avec l'idée de Dieu? Je sais pas si c'était très bienvenu de balancer ce truc-là. Du coup, vendre, tac, énergie laser, j'en ai pas mal, ok. Mais par contre, je vais acheter de l'énergie plasma au taquet. Je vais acheter, j'ai 36 000, du coup, je vais acheter des points de force, honnêtement. Je suis vraiment... Coulos. Du coup, ce qui fait que j'ai énormément de points de force, je vais pouvoir améliorer un petit peu mon bonhomme.
Mais en fait, le truc, c'est que je me pose la question, quoi je l'améliore maintenant hein. À part la durée du module de stase, mon cutter plasma, il est insane. Il est globalement insane. Donc je vais faire le module de stase avec la durée. Il va être plus endurant. Le macro PK, ça sert à rien. Le rig, il est amélioré à fond. Je peux améliorer les autres armes. Mais est-ce que à ce moment-là du jeu, est-ce que ça sert à grand-chose que j'améliore une arme? Parce que tu vois, par exemple, je pourrais partir sur le choc laser, qui est, j'ai l'impression, l'arme qui fait la plus mal dans le jeu. Je pourrais aller chercher le dommage. Mais là, ça me fait déjà 4 points de force. Si je vais jusqu'ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de force. 11, 12, 13. Je les aurai jamais. Je les aurai jamais avant la fin du jeu. Donc du coup, je me pose la question si ça sert à grand chose que je fasse ça. Le lance-lame est fou aussi. Je le prenais au début, Mr. Fly, le lance-lame. Maintenant, plus trop parce que bah, le cutter plasma, comme je l'ai amélioré au taquet, il faisait vraiment très 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 mal quoi. Du coup, je me pose la question, en vrai, améliore le cutter à fond. Ouais, après, je peux améliorer le cutter à fond, mais honnêtement, j'ai pas l'impression de perdre autant de temps que ça à recharger ou la vitesse de tir. J'ai pas l'impression. Hein. Honnêtement, c'est améliore le cutter vitesse. Ouais, ouais, je peux. Hein. Peut-être que ça m'aidera pour le boss de fin. De toute façon, là, j'ai qu'un point de force. Du coup, je vais le garder si jamais je tombe sur une salle qui nécessite un point de force. Et on va continuer notre route. On va continuer notre super route. Mon inventaire, il est comment? Puis il est méga coolos. J'ai plein de modules de stase et tout. Le trancheur est vraiment fort s'il est monté. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, au début, que toutes mes armes, elles étaient pas montées. Le trancheur, c'était vraiment celle que j'utilisais quand ça craignait pour moi, quoi. Dead space, dead space. Tu es des nécromorphes. Isaac, 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 t'es cool. Merci la musique d'ascenseur. C'était très agréable. Ok, il y a du loot, il y a du loot, il y a du loot, loot, loot. Le jeu me dit d'aller tout droit. Du coup, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a une petite pièce secrète ou quoi? On a les toilettes! Depuis le début du jeu, il m'est jamais arrivé de dinguerie aux toilettes. Hein. C'est quand même bizarre. Tu sais, un lieu exigu où globalement un ennemi peut popper dans ton dos. Tu sais, c'est quand même terrifiant. Et pourtant, le jeu ne l'a jamais fait. Alors que j'arrive à quasiment à la fin. Et il l'a jamais fait. Alors qu'honnêtement, je sais pas, j'ai l'impression que les développeurs de ce jeu, ils sont quand même un peu sadiques. Moi, je l'aurais fait dans les toilettes. C'est vraiment le pire truc, quoi. Ah bah voilà, il y a de la lumière quand même. On n'est pas des bêtes. Quoi? C'est quoi ce bruit? Ok, le jeu me dit d'aller par la grande porte qui est là-bas. Où il y a des bruits. Où il y a des cris. Du coup, on va pas aller vers les cris. On va looter. Eh, hey, mais je suis au début du jeu, en fait. Ah! Je suis au début du jeu! C'est là où j'avais activé l'ordinateur. Et que mes potes, ils s'étaient fait tuer. Là, il y avait un ennemi qui était sorti. J'avais pris cette porte et j'avais couru en criant de façon très virile. Je me souviens très bien. Je me souviens très très bien. Du coup, là, on retourne vers la navette. Allez, c'est parti. Évidemment. Eh merde, j'ai plus de munitions. Allez, recharge. Cache-toi! Coolos, 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 repositionner! Repositionner! Quarantaine, le
c'est qui qui a pas pris un dégât? C'est Bibi. Hein, c'est Bibi. Oh là 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 là. Ah là là, j'ai un peu perdu de stase, mais en même temps j'ai l'impression qu'à ce stade du jeu, économiser ta stase, c'est, ça sert vraiment à rien. Faut y aller, hein. Faut y aller, en même temps j'en ai 3 dans l'inventaire. Tu verras dans le 2, ça arrive dans les toilettes de partout d'ailleurs. Ah cool, bah, j'ai hâte de le commencer, hein. J'espère qu'on va le commencer ce soir, comme ça, histoire que j'ai bien peur. Bon travail. Je vais préparer... Merci, ça va pas la tête pour les 1000 bits, merci beaucoup. Restons prudents, très prudents. Du coup j'ai la navette qui arrive par ici. C'est quoi ça? Je m'en souviens plus que cette porte elle était ouverte. Je vais vous descendre la navette. Les commandes de chargement automatique ne répondent pas. Vous devez suspendre la gravité dans le hangar et amener vous-même le monolithe sous la navette. Ok. Du coup il faut que je coupe la gravité et que j'amène le monolithe moi-même. Encore c'est moi qui fais le tout le boulot. Eh mais pour l'instant c'est une opération qui se passe plutôt bien pour nous. On fait du bon boulot les gars. Enfin, je tiens à préciser que je fais du bon boulot globalement. Depuis le début du jeu, vous m'aidez pas énorme, énorme, énorme. Bonne poire le Isaac. Désactiver la gravité. Entrée zone sans gravité. Ok, mais j'ai encore de l'air, rassurez-moi. Ok. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu dans cette zone. On me parle de Dead Space 3 aussi. Dead Space 3, honnêtement, tout... bah, je connais pas la saga en fait. Du coup, je l'ai fait tous à la suite. Et je connais pas la saga. Et tout le monde me dit que Dead Space 3, il est pas bien. Je le ferai quand même. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais tout le monde m'a dit qu'il était très décevant. Et qu'en fait, on se retrouve sur un... plus un action RPG qu'un survival horror. Du coup, je comprends que les gens soient déçus s'ils voulaient jouer un survival horror. Je comprends. Merci Shinji Seb pour ton prime. Merci beaucoup. Du coup, je dois descendre. Ce qui m'inquiète un petit peu, très honnêtement, quand je regarde la zone, hein, c'est qu'il y a énormément de trucs, de trucs explosifs. On va y aller, hein, mais je sens qu'il va y avoir des dingueries. On va looter sur une étoile ou sur un oreiller. On va looter, on va turbo looter. Allez Isaac, encore une belle journée de merde pour toi. Ça sent le boss, on est d'accord. Hein. Ça pue le boss même. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette le monolithe dans le vaisseau. Sauf que, il est où le monolithe? Il est où le monolithe? Bon, écoute, je vais toucher un bouton, je vais voir ce que ça fait. Hein. Est-ce que quoi? Ah, c'est des rails! Ok. Ok, bah si c'est des rails. Si je suis les rails, le monolithe, il doit être au bout des rails, c'est ça? Eh, salut petit monolithe! Bah oui, évidemment! Vous pouvez pas me laisser tranquille! Saloperie de fœtus, putain! Ok, on va les choper dans un endroit exigu parce que... ils détestent les fusils à pompe. Salut les petits chatons! Ah la vache! Bon. Salut mes petits potes! Dans mes souvenirs, ils aimaient pas le fusil à pompe. En fait, ils ont l'air plutôt appréciés, tu vois. Ils étaient là, ils disaient, mais tu vas faire quoi? Allez, sortez tes tentacules, saloperie! Ok, gérer son placement. Prends une caisse. Putain, j'aime pas son placement à lui. Claqué. Allez, allez. Bon bah ça c'est fait, c'était pas le but. C'était pas bien le but. Mais bon, le fusil à pompe ne brille pas par sa précision.
Et j'avoue, ils étaient en train de pousser le monolithe, Mr. Fly. J'ai chopé des petits stagiaires adorables. Adorables. Ok, bah c'est... J'avais l'impression que ça se passerait mal, mais en fait, bon, j'ai pas pris un dégât, donc coolos. Coolos. Mais ils sont vachement chiants quand même, ces ennemis, parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que faut niquer leurs tentacules, et ça, c'est chiant. J'ai entendu quelque chose. Alors, la soute du vaisseau, elle est où? Le rail. Le rail, il est comment? Le rail, là, il est bon. Allez. Allez, viens avec moi, copain. Allons. Allons. Mon rail, il va pas du tout. Non, viens avec moi. Viens avec moi, saloperie. Oh, putain. C'est dur, ce truc de télékinésie. Des fois, je comprends pas. Allez, pousse-le. Du coup, si je fais ça, ça fait quoi? Ah, bah oui. Ok. S'il est dessus, il veut pas. Allez, pousse-toi. Et là, il va pas vouloir. Mais non, bien sûr que non, il va pas vouloir. C'est super chiant. Ok. Du coup, faut que je fasse ça. Salut Fatalis, bienvenue à toi. En train de galérer sur des vieux rails, quoi. Un jeu... Là, c'est le moment passionnant du jeu. J'entends des trucs, hein, du coup je pinaille. Ah bah oui, évidemment j'entends des trucs, ils sont pleins. Tu crois que je te vois pas, saloperie? La vache. Mais... Viens vers moi. Ok, vérifier la zone. Coolos. Généralement ils viennent par trois, ces saloperies. Mais là j'ai pas l'impression, vu que la musique s'est calmée. Allez, on continue notre route. Tout va bien dans cet enfer. Tout va bien vers cet enfer. Personne. Non, non, il me laisse travailler en paix, hein. Ça c'est coolos. Ça c'est coolos. Et du coup, si je le mets là, c'est cool? Ou faut... Non, musique. Le petite saloperie! Vous êtes que des petites saloperies? Ok. Cette zone, pour l'instant, elle fait... Elle essaye de me faire peur, mais elle est pas si terrifiante. Parce qu'ils sont vraiment pas beaucoup. Et du coup, là, j'arrive en dessous du vaisseau, c'est ça? J'espère que c'est ça, hein. Ah putain. Moi à la place de Isaac, à la fin de cette aventure, je m'inscris à Pôle emploi. Hein. Je change de boulot. Hein. Ok, rétablir la gravité. Du coup, il faut que je remonte là-haut. Du coup, il n'y a personne qui vient me faire des dingueries dans le dos. Coolos. On va aller par ici. On repassera par là. Boum 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 boum. Allez, c'est parti. Sortie zone sans gravité. C'est bon? Personne veut me croquer les fesses? Chargement 7, 8, 2 en cours. Ok. Elle est à bord. Vite, rejoignez-moi. Ensemble, nous pouvons arrêter la reine mère. Nous pouvons la stopper. Enfin. Attends, 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 attends. Là. Je vais quitter la station? Mais faut brûler la station, mec. Faut la brûler avant. Faut te casser, hein. Et du coup, on va devoir aller sur la planète où, globalement, c'est là d'où vient le problème. Putain, c'est encore pire que la fin de Half-Life où tu vas dans le monde des aliens, quoi. Oh non, c'est pareil, en fait. C'est pareil.
Le 2, fais attention à tes munitions. Ouais, surtout qu'en plus, le 2, je vais vouloir y jouer en... Là, je suis en mode standard. Je suis en mode moyen, quoi. Le 2, je vais vouloir y jouer en mode difficile. Du coup, il va falloir que j'ai les bons réflexes pour les munitions. Par ici. Vite. Celui-là, je le trouve un peu facile, en fait. Bah mec. Tu t'es fait sniped. Bah. Hey! Mais c'est qui t'a sniped? Eh? Ok. J'ai l'impression de m'être fait baiser là quand même. Mais c'est quoi qui l'a tué? Mais je ne peux pas le laisser partir. Trahison. Je devrais le remercier d'avoir trouvé le monolithe. Trahison. Même si sans l'aide de l'USM Valor, ton aide m'a été précieuse elle aussi. Mes supérieurs ont cherché cet endroit tellement longtemps, Kain n'a pas tout compris. J'ai été dupé. C'est le gouvernement qui est responsable. Toute cette planète n'est qu'une immense expérience. Le monolithe, cette relique divine, l'œuvre des hommes. Une pâle copie du vrai monolithe découvert sur Terre il y a 200 ans, qui était vraiment d'origine extraterrestre. Ils l'ont déterré, étudié, puis ils l'ont copié. Ils l'ont amené sur Aegis 7 et ils l'ont activé. Le résultat est là. Un vrai cauchemar. Les méchants, ils disent toujours leur plan à la fin. C'est trop bien. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis la compagnie est arrivée sur la planète et a fourré son nez partout. L'expérience était toujours en cours. Explication, les méchants. Si on vivrait sur la reine-mère, le monolithe la contiendrait. Et peu importe. J'ai le monolithe. Et ce vaisseau peut bien aller en enfer. Pour ce que ça vaut. T'as été vraiment super, Isaac. À bientôt. Ou peut-être pas. J'adore. Isaac, c'est Nicole. Nicole. Nous avons besoin d'aide. Nicole. C'est ma meuf, non? Je suis dans la salle de contrôle. Oh, vite, Isaac, vite. Pitié. Je t'aime. Beaucoup d'émotions confuses dans ma tête actuellement. Du coup, trahison sur 20 au niveau de mon équipage. Elle m'a fait une présentation PowerPoint de tout son plan machiavélique. Merci, ça c'était gentil, tu vois. Mon collègue, ouais, j'avais pas énormément de sympathie pour lui, mais c'est vraiment nul de mourir comme ça, mec. Va retrouver les tiens, tu vois. Attends, j'ai envie que tu partes avec les feux de la rampe. Ah, je peux plus. Attends mec. Ah non, je réussis pas mon truc. Ok, c'est pas grave. Et du coup, j'ai ma meuf. Que j'ai vu qu'une fois, hein, globalement. Qui a besoin de mon aide. Donc vraiment, je sais pas trop où me positionner. Isaac, j'ai l'impression que c'est le bordel dans ta tête. Moi, ça me rassure parce que comme ça, au moins, je vais pas m'occuper de la reine des lames, Kerrigan, sur la planète maudite. Moi, ça me va, écoute. Bon, on va aller retrouver la copine. Hein. La copine. Non, pas vous. Ah, vous êtes chiant, vous. Ah, mais merde, il y a un zinzin là-bas. Attends. Ah mais non, mais ça marche pas ça en fait. Hein. Non, il faut de l'opération de précision chirurgicale. Si j'utilisais le tir secondaire, il est toujours coolos. Ah, je crois qu'il a pas aimé le tir secondaire. Ah oui, mais on l'a pas vu, mais c'est pas grave. Hein. Ok, tout va bien? Tout va bien. Bon, on n'a pas vu ce qu'a fait le tir secondaire, mais globalement, ça crée un laser qui détruit tout. Et du coup, ça a tué eux. Eux, si je m'approche trop, pour celles et ceux qui connaissent pas le jeu, ils me one-shot. Hein. Ils m'arrachent la tête, en fait. Ouais, grosse déconne. Et comme je dois aller retrouver ma meuf, je vais retrouver ma meuf. Ma meuf! Ma meuf! Bébé, j'arrive.
Bébé? Bébé? Isaac? Bébé, c'est toi? Est-ce que c'est bien toi? Bébé! J'ai bien cru ne jamais te revoir. Bébé, tu m'as manqué. Dieu, je suis désolée. Je suis terriblement désolée. Je voulais pas te faire de peine. Non, c'est la première fois que je fais le jeu, Kaze. Tu peux piloter. Je connais pas le jeu. Depuis ici. Oh. Ne faisons plus qu'un. Ne faisons plus qu'un. What? Là, ici maintenant? Faire plus qu'un? On va peut-être attendre de rentrer sur la planète quand même. Peut-être attendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Mais ça bug complètement ton bazar là. Attends, je reviens, je vais looter. Bébé, tu connais mon amour pour les loots. Je sais que j'ai un problème, je suis allé voir quelqu'un mais... Je suis jamais arrêté. J'aime trop looter, chaton. Chaton! Chaton, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je contrôle la navette? Ok. Prendre les commandes. Je vais sauvegarder avant. Bébé! Bébé, je sauvegarde bébé. Bébé? Ok. Non, je peux pas sauvegarder. Bébé, je peux pas sauvegarder. Attends, mais il y avait une navette d'urgence depuis le début. Isaac, qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Ah non, je la ramène! C'est pas fini! Ah, je la ramène! Oh, elle doit trop avoir les boules! Oh la vache! Capsule éjectée, numéro USG09. Je répète, capsule éjectée de la navette. Ça ne fait rien. Elle ne peut pas la fuir. Pas comme ça. Ça y est. Je reprogramme la navette pour aller sur la colonie. On y est presque, Isaac. Son plan, il était vraiment nul, du coup, si tu peux ramener la navette. Va dans la navette. Je te rejoins. Attends, mais son plan, il était éclaté. Tu prends pas une navette qui peut se ramener avec une télécommande? Surtout si tu laisses quelqu'un de survivant derrière. En l'occurrence, moi, elle aurait dû essayer de me tuer. Éclater cette meuf. Je peux pas. Tu peux ouvrir la porte, bébé? Bébé! Bébé, la porte elle est fermée. Bébé? Ah, fallait que j'attende l'animation? Ok. Ok, c'est bon, bébé. Je peux y aller. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de nécromorphe. J'ai l'impression que j'ai assassiné absolument toute la station. Allez, c'est parti, on va sur la planète. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Hein? Qu'est-ce qui pourra mal se passer d'aller sur une planète remplie de nécromorphe? La 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 Vous pouvez pas traverser les portes. Alors que moi je peux vous sniped. Vous êtes où? Tu fais quoi maintenant? Ah merde. Il fait des trucs. Ok, j'ai voulu être plus malin que la machine et au final ça marche pas du tout. J'ai plus de stase. Ok. On panique pas. La boîte à meux? Ah merde, elle est où ma boîte à meux? Putain, ma boîte à meux ça. Attends, ma boîte à meux. C'était important. Du coup, j'ai fait de la merde. Allez, venez. Alors, je suis vraiment dans la mauvaise zone. Eh, mais ils sont... Ah merde, j'ai plus de munitions. Évidemment. Oh, j'aurais dû utiliser ça depuis le début, hein.
J'oublie tout le temps que j'ai un laser imbattable. Ok, j'ai pris vraiment mes turbo cher. Ah, c'était nul. Ah, c'était si nul. J'ai essayé de battre le jeu à son propre... À son propre jeu, justement. Et au final, c'était si nul. J'aurais dû direct commencer avec un turbo laser. Je crois qu'il y en avait un troisième. Ok, je vais pas demander mon reste. Et je vais me casser. Ok, bébé. Je suis dans la navette. J'espère qu'il n'y a pas un ennemi qui m'attend. Salut, Jus Citrouille. À la prochaine. Le troisième, il a fait le saut de l'ange. Ouais, j'ai l'impression. Oh la vache. Ah, mais elle me rejoint. Super. On va mourir comme un couple. Ensemble. Bon choix, Isaac. Nous ne sommes plus qu'un. Comme nous l'étions autrefois. Je savais que tu reviendrais. Rien ne nous arrêtera plus. Ouais, les zinzins, ouais, elle est très très poétique. C'est peut-être pour ça qu'Isaac l'a choisi comme copine, hein. Parce qu'à chaque fois qu'elle parle, c'est assez profond et tout. Ne faisons plus qu'un. Nous finirons ensemble.